Hello, bon retour sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo de motivation vie de maman. Nous commençons par le sport matinal. Une amie est venue me chercher très tôt. Nous sommes partis et là, nous allons aussi chercher une autre amie pour nous rendre à Omnisport pour faire le sport du matin. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Étant toutes des mamans chrétiennes, nous avons commencé notre matinée par la prière. Nous avons fait le chemin en prière. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Bien dormi. C'est bien. Oh là là, c'est un peu sombre. Donc, on va te voir. On passe par où? Le centre, il faut aller plus vite. Pas le centre. Les agents. Ah bon, hein? Et l'autre, c'est qui? Yvan et Yves Castanou. Non? Mais l'autre, ce n'est pas. Yvan, c'est celui qui est. Mohamed Castanou. Non, Mohamed Sanogo. Ah! Les deux sont peut-être deux frères parce qu'on fait leur église, mais lui, c'est. Nous sommes arrivés à Omnisport en faisant nos commentaires de maman. Je vous épargne un peu tout notre bavardage et nos racontages. Nous avons commencé par courir un peu tout autour de l'Omnisport là, question de s'échauffer. Avant de se joindre à un groupe, là-bas, il y a des groupes avec des coachs sportifs. Généralement, c'est gratuit. À la fin, vous pouvez mettre quelque chose pour motiver le coach. Mais c'est vraiment top, c'est gratuit. À partir de 6h30, il y a des gens là-bas. Si vous êtes à Yaoundé et que vous avez la possibilité d'y aller, n'hésitez pas. Il y a une ambiance de pas possible là-bas et une motivation de ouf. Nous avons fait vraiment du sport, des exercices physiques avant de terminer par la danse. Il y avait plusieurs coachs. Et là, j'ai allumé mon téléphone pour filmer seulement au moment de la danse. On s'était déjà vraiment épuisé. J'ai filmé cette partie-ci parce qu'elle était vraiment amusante pour vous faire rire et pour vous divertir. J'espère vraiment que la vidéo vous plaît. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de trois filles. Je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mon quotidien de maman. N'hésitez pas, si c'est un sujet qui vous intéresse, à vous abonner, à liker, à commenter et à partager autour de vous. Merci d'avance. Sur ma chaîne, vous trouverez pas mal de vidéos sur la motivation ménage, astuces, rangement et vie de maman. En fait, avant, je pensais que le ménage pouvait être considéré comme du sport. Mais aujourd'hui, je me dis non vraiment. Parce que je sens la différence quand je fais les exercices physiques et quand je fais le ménage. Pendant le ménage, tu fais des exercices mais très lentement. Tu ne les fais pas rapidement. Du coup, tu ne travailles pas beaucoup tes muscles. Au contraire, tu te fais même mal au dos.
Or, pendant le sport, tu travailles bien les muscles, tu travailles ton corps intensément et petit à petit, tu te sens leste, tu sens certaines douleurs disparaître et tu sens un peu plus de force en fait. L'exercice physique en dehors du ménage est vraiment très important parce que je me disais avant, c'était ma raison pour fuir le sport. Je fais déjà le sport à la maison, dans le ménage, dans les tâches ménagères et tout. Or, vraiment, je me trompais. Depuis que j'ai commencé à faire le sport, c'est vraiment beaucoup mieux. Et aussi, un conseil que vous m'avez donné, c'est de faire de petites activités régulièrement le soir à la maison. C'est un très bon conseil pour essayer de perdre ce ventre le plus rapidement possible. Car si je dois le faire le matin, vraiment, c'est impossible. C'est la course pour faire les goûters des enfants. Parfois, le matin, même si ce n'est pas le jour de l'école, c'est bébé qui se réveille tôt et t'empêche de faire ce que tu veux. Donc, le soir, vraiment, c'est une très bonne idée. Merci infiniment, les filles, pour vos conseils, pour vos partages. Voilà pourquoi je vous dis toujours, laissez-moi quelque chose en commentaire. Vous ne savez pas combien ça peut aider quelqu'un, combien ça peut m'aider. Alors, merci beaucoup. Et le soir, Sam, tu peux être chaud. Non, c'est bien utile.
Comme nous étions samedi, après le sport, nous avons décidé de faire un tour au marché. Étant des mamans de maison avec plusieurs enfants, nous avons d'autres responsabilités que d'aller faire uniquement le sport. Donc après le sport, nous nous sommes rendus au marché pour faire chacune ses achats. Ce jour-là, nous sommes arrivés à la maison à 12 heures. C'était plus que le 2-0 des hommes qui sortaient à 5 heures pour revenir à 21 heures là. On a vraiment traîné parce que après le sport, on s'est tapé des embouteillages pour arriver au Fundi. Vous connaissez le samedi. Arrivé au Fundi, on a fait le marché. Vous connaissez quand trois femmes se mettent ensemble pour faire le marché. On part ici, on achète pour tel. On part là-bas, on achète pour l'autre. On repart là-bas, on achète pour l'autre. C'est-à-dire le marché de trois mères en tout cas. Nous nous sommes rendus au niveau où on vend les pâtes de bœuf. Les pâtes de bœuf qui se vendaient à l'époque à 1500 francs la pâte. Aujourd'hui, c'est 3500 francs. Je vous informe si vous ne le saviez pas. C'est devenu très cher. Pour celles qui étaient au pays avant et qui achetaient ça à 1500 francs, sachez que maintenant c'est 3500 francs. Après le marché, donc, nous sommes allés au China Mall. Et là-bas, c'était tout un autre championnat. Le tour des rayons, les commentaires, les choix difficiles et tout. Au China Mall également, nous avons fait des petits achats très intéressants pour les enfants. J'ai trouvé les tennis là-bas moins chers pour Elsa, les ballerines moins chères pour Eliora. Et je me suis pris moi-même un chapeau pour le sport. Le chapeau, là, vous allez me voir avec l'âge. Quand on est sorti de là, j'ai directement porté. Ce Fundi Mall est un endroit où il ne faut pas aller avec un surplus d'argent. Vous allez vous retrouver à tout dépenser. Il y a de bonnes choses là-bas, à de bons prix aussi, vraiment. Je vous balade un peu au China Mall du Fundi Mall. Paquet de crayons. Chacun vient ramasser ici en une semaine, on jette tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette petite motivation vue de maman vous a plu. J'espère que ce partage de notre samedi vous a diverti. N'hésitez pas à liker et commenter. Merci infiniment à toutes celles qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.